zami nan pres pale kri tak televize. Mwen sot nou waj ofisyel a Tito, an Ekwater, se ansyen prezident Luis Moreno ki te invite mwen pou mwen tal patisipe nan seremoni prise fonksyon d'investitu nouvo prezident mwen pale de prezident Guillermo Lasso Mendoza. Je nous connais depuis plus d'une dizaine d'années, entre la République d'Haïti et la République d'Équateur, il y a une excellente relation d'amitié qui existait et de solidarité qui existait entre deux pays. Et la relation, ça a été traduit principalement par le développement de coopération bilatérale dans le domaine de l'infrastructure, dans le renforcement de capacité, notamment la police nationale d'Haïti et garde-côte, et puis plus précisément génie militaire. Nous sommes juste une quantité militaire que l'Équateur forme pour nous dans les affaires génie militaire. Et je vous dis, pendant qu'on a parlé là, M. Damzaro, il y a une construction de route Carrefour Joffre là. Ça veut dire qu'un pile chauffeur, technicien, qui travaille dans la route Carrefour Joffre, ça veut dire que c'est des militaires qui ont été formés en Équateur. Et c'est sous base de relations sérieuses que je suis invité pour participer à la cérémonie. Jean Coutoisier international exigé dans les affaires protocoles, je suis obligé de prendre décision. Nous connaissons un moment pas favorable parce que nous avons un problème de pandémie, de coronavirus. C'est un moment qui est extrêmement difficile, même si c'est une décision difficile tout, pour nous participer. Et ce n'est pas moi-même seul, comme chef d'État qui était là, c'est gagné le roi d'Espagne, le roi Philippe VI, c'est gagné le président dominicain, le président Abinader, c'est gagné le président brésilien, le président Bolsonaro, qui était là tout, ensemble avec nous, et c'est gagné le vice-président Paraguay qui était là, dans l'investissement sur ça. Et États-Unis devant une grosse délégation qui était présidée par l'ambassadeur américain dans les Nations Unies, qui était venu dans la cérémonie d'investiture président Lasso. Et nous avons profité de l'occasion ça, parce que lors de tout président qui est venu d'un seul côté, nous avons profité de l'occasion ça pour nous discuter de sujets d'intérêt commun. Par exemple, processus électoral là dans le pays d'Haïti, dialogue politique là dans le pays d'Haïti, lutte contre le coronavirus là et conséquences sociales et économiques pandémie ça. Nous avons des échanges qui étaient très fructueux avec président de la République fédérative du Brésil. Je voulais parler de Jair Bolsonaro. Nous avons parlé autour des relations haïtiano-brésiliennes. Nous avons parlé de la pandémie COVID-19. Là. Et surtout, nous avons parlé de la situation compatriote de nous qui vivent au Brésil. Je voulais parler d'Haïtiens qui vivent au Brésil. Nous tous connaissons que depuis le tremblement de terre, là, je voulais parler du tremblement de terre janvier 2010, depuis l'Haïtien, quitter le pays là, et le pays d'accueil c'était le Brésil. Donc les jeunes, femmes et jeunes garçons, qui étaient fait sortir de l'université, qui étaient quitté le pays, qui étaient allés dans le pays Brésil. Le président brésilien voulait assurer le soutien d'Haïti pour candidature Brésil à un poste de juge à la Cour interaméricaine des lois de l'homme. Comme nous avons tant fait promesse là à travers ministère des Affaires étrangères et des cultes, Brésil fait partie du pays côté nous-mêmes, nous pouvons accorder vote par nous dans l'élection qui a fait dans le mois de novembre 2021.
L'élection sera faite dans le cadre 51e session Assemblée générale organisation État américain. Pour être capable de combler 4 postes vacants dans le niveau CIDH. Là. Alors, le Brésil met compter sur nous. Dans ce sens-là, nous avons un petit bac bouche tout avec, on a parlé avec le ministre, avec le roi d'Espagne. Là. Si tu as parlé ça, il était fait sous relation Haïti avec l'Espagne. Même si tu as plus sous les affaires, relations bilatérales de lien avec un pays qui est censé son membre de l'Union européenne. Ça veut dire qui ça? Je dis, il y a une relation multilatérale, il y a une relation bilatérale. Ça veut dire, l'heure où il y a une relation multilatérale, il faut qu'on la passe si le pays a dit fait un travail ensemble avec vous. Il faut le passer, par exemple, si son pays de l'Europe, il faut le passer dans l'Union européenne, et c'est à travers l'Union européenne qui travaille ça au fait. Mais avec l'Espagne, nous avons une relation bilatérale qui est plus directe. Et je vais profiter de remercier pour ça, pour me dire que la relation sérieuse lui permet le développement de bagage qui est important pour nous en pile, c'est de l'eau potable à l'assainissement. Dans pile commune dans le pays qui n'a pas de l'eau, à travers du NEPA, l'Agence espagnole de coopération internationale, lui a mis en pile coup de main dans le niveau du NEPA et dans pile ville dans le pays aujourd'hui qui commence à gagner de l'eau. Nous connaissons que la BIDO travaille avec du NEPA. Nous connaissons la Banque mondiale travaille avec du NEPA. Nous connaissons des projets qui ont fait à travers tout le pays. Par exemple, dans le sud, des communes, dans les communes Tiburon, communes Les Anglais, communes Port-à-Piment, communes Rochabato, communes Port-Salut. Il y a un réseau hydraulique qui a construit dans la commune. Ça veut dire pour nous comprendre très bien, non seulement mettre l'union à l'important, c'est-à-dire nous connaissons qu'on a construit un réseau électrique dans tout le pays, dans toute commune dans le pays. Ça c'est sûr, c'est clair, on va en aller. Toute commune qui vient dans le pays d'Haïti a un réseau électrique. Pau. Zami n'a presque pas les écrits à télévisé. Moi, je suis venu voir l'officiel à Quito. En Équateur, c'est l'ancien président Luis Moreno qui a invité moi pour participer dans la cérémonie prise fonction d'investiture du nouveau président. Je vais parler du président Guillermo Lasso Mendoza.